nous revoilà. Alors, vous l'avez évidemment vu. Voilà ce que ça demande. À l'arrière, c'est vrai que c'est pas le top. Toi, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus pointus, mais... Pardon, toi que je rêvais. Mais bon, ça restera comme ça. Dis-moi qu'une dalle là. Et à l'arrière, ben... fera certainement un morceau de mur qui viendra mourir quelque part, comme de l'autre côté évidemment, et on viendra faire une fin à ce bâtiment. On va pas le laisser comme ça. Réellement que je vais supprimer la ferme ici. C'est dommage, mais les zombies prennent trop de place là. Ces zombies, bon, à part, ils m'ont donné des carottes, des patates, j'ai les betteraves, carottes, patates, betteraves, blé. J'ai les citrouilles, j'ai les pastèques, la canne à sucre, le bambou. À part un peu d'XP, ils ne m'apporteront rien d'autre. Donc je pense bien que à l'avenir on va le supprimer et faire descendre la touche jusqu'au bout. Tout ça, on fera un peu le même pardon. On fera un peu le même design que là. Bon, en tout cas, il ne reste plus que ça en cuivre. Ce qui va être bien, c'est que normalement, ils vont s'oxyder et le toit va devenir vert. Ça, c'est ce que je recherche. Alors, pour la suite, on va déjà retirer l'arbre ici au milieu. Chose de très long. Le centre est ici. Il nous en faut 2, 3, 4, 5. Ouais, on peut le mettre comme ça. Ensuite, on a 4.
4, 5. J'en ai plus. Voyez un petit peu, ça va être l'entrée. L'entrée, elle est là-bas. Dans un premier temps, on va retirer tout ça sur deux de haut, évidemment. Après, ça va se compliquer un peu plus. Je sais pas combien de stacks il va falloir pour arriver à faire la sphère. On va faire une vraie sphère, donc qui va faire 7 blocs de haut. C'est déjà la moitié de la montagne qui est creusée par là. Ça devrait déjà être beaucoup plus facile. Mais je vais déjà creuser tout ça pour qu'on se rende bien compte de la grandeur du truc. Et on se retrouve juste après. Début de base quoi. Alors normalement on va avoir un chemin qui va d'un bout à l'autre, de gauche à droite. Au milieu, on va refaire un petit cercle. Ça va être les couloirs principaux, mais on aura aussi, je vais pas appeler ça des pièces secrètes, mais on aura normalement ici derrière les PNJ et là-bas derrière l'usine à faire. Ça n'est quand même pas si haut, enfin, si haut que ça, si bas que ça par rapport à là. Les PNJ sont toujours là. Les PNJ sont toujours là-haut. Et l'usine à faire, elle est là. Donc, pour le moment, on va les laisser travailler au-dessus. Et après, on pourra faire directement tomber le fer là-bas. Une grande salle avec du fer, avec les roses, et là, à la place de les faire venir là pour les multiplier et faire aller la ferme beaucoup plus pour qu'elle soit beaucoup plus productive, on les fera tomber directement en bas.
mes petits amis. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je viens d'aller refarmer tout ça. J'ai réparé les pioches. Et je me retrouve maintenant avec 51 diamants. Par contre, le toit de la tour là-bas ne s'oxyde toujours pas. J'avais fait des tests avec deux blocs là, ils s'oxydaient, donc j'en ai pris un et j'ai été le mettre là-bas. Et le reste ne s'oxyde pas. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que tout le stock d'ardoise, je l'ai mis ici. Bon, évidemment, on ne voit pas grand-chose, mais ça monte quand même vachement. Je ne sais même pas par où je peux monter. Ah, ici, j'ai de la place. Oui, je les ai vus. Tout doucement, ça avance. Donc là, il y a deux. Je vais le switcher. Oups. Donc, il y en a deux, et après, c'est cinq.
Les amis, enfin, on voit pas grand chose. Vous allez voir qu'après, là, c'est le centre. Maintenant, on va s'amuser. D'éclairage pour donner de la hauteur. Ah, j'ai pas été en chercher. Ouais, du coup, il faut commencer à voir. J'en ai encore pas mal dans les coffres par là. On va pouvoir commencer à faire le. Toit de là-haut. Donc, c'est pas celui au-dessus de moi, c'est celui devant moi. Et là, on lui met un filet de lave. C'est la lampe. Ça va lui donner de la lumière vers le dessus et en même temps
la profondeur du truc. Et pour ceux qui sont en dessous, et ben tant pis. Pas mal de couleurs en dessous. Ça va nous éclairer tout ça. La lave, normalement, va descendre jusqu'en bas. Je pense que la lave va descendre jusque là. Ah. Je vais peut-être parler un peu. Rester coincé dans le truc là. Le petit zombie, il va avoir chaud. Ça va nous donner pas mal de lits. Par contre, ces deux-là, c'est comme je vais tout casser. Ça va nous donner beaucoup de profondeur. Et enfin, le premier projet est terminé. En hauteur, rien ne pourra spawner. Est déjà fini ici. Par contre, je crois que c'est pas au centre. J'ai eu quelques soucis là-haut. Mettre un bloc par ici. Je vais pas tomber juste là-haut. J'ai quelques petits soucis. Alors ici il y en a 3 et puis 3. Celui-là, il vient là. Il en manque. J'ai amassé ce que ça donne comme truc. Il est déjà centré, c'est dans l'autre sens qu'il n'est pas centré. Et alors ici maintenant, on va regarder pour se faire déjà toute la route sur le côté. Donc si je ne vais pas aller en fer, en roche noire, le centre ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Contre, on va aimer que ça fasse ça plutôt. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, ça se bloque. Pas sûr que ça soit bien joué. Bon, ça c'est fait. Bon, de toute façon, la première étape est faite.
Je suis assez content d'avoir réussi à faire tout le dôme. Donc, vous l'avez certainement vu. Je me suis fait. Ah ouais, c'est plein ici. C'est bien chaud. Je me suis fait un donjon araignée. Pour essayer de réparer quand même les pioches. Bon, c'est le classique le plus facile. Je ne l'ai pas mis en live. La prochaine fois, on s'attaquera ou au sol du dôme, ou si j'ai assez de cuivre, on fera le toit du bâtiment. Ça, on verra un petit peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça suffit, c'est bon comme ça. On a fait suffisamment de choses pour le moment. Donc, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, ciao les amis, à bientôt.